Aïe. Je suis déjà passée par là. Je suis paumée. Je devrais déjà être arrivée. J'en peux plus. Romain, tu ne dois jamais lâcher. Tu dois aller jusqu'au bout, c'est une question de volonté. C'est une bonne idée d'avoir fait du thé. C'est pas du thé, Pierre, c'est du café. Je dois reconnaître qu'il est un peu clair. C'est du vrai jus de chaussette. Merde, qu'est-ce qu'il fait là, ce gamin ? Cabinet du docteur Sylvestre. Oui, il remplace le docteur Petitbon. Je préviens le docteur, il arrive tout de suite. T'inquiète pas, bonhomme, le docteur, il arrive. Bonjour, docteur. Bonjour. Donne-moi ton oreille. J'avais trop mal avant, je suis tombée. 39, c'est beaucoup. Je serai malade longtemps. Je ne sais pas encore. Pourquoi? Parce que comme j'ai pas fini mon raid, je dois le recommencer. Bah écoute, pour l'instant, on va te soigner, hein, ça me paraît le plus important. Quel âge tu as? 11 ans. Et tu es où en vacances? Dans un camp chez les Intrépides. Et il est où, ce camp? Il est loin? J'en sais rien. C'est dans le domaine des Beaux-Regards. Bon, c'est à peu près à 12 km en coupant par le bois. Et tu as fait ça à pied tout seul? Ouais. Mais t'as pas eu peur dans le noir? Bah non. Quand on fait son raid de nuit, on doit pas avoir peur. J'ai quoi? Une bonne gastro. Bon, à part les diarrhées et la fièvre, tu n'as rien d'autre? Tu as vomi? Ouais, mais juste une fois, c'est rien. Mais t'aurais pas mangé quelque chose de pas frais? Une viande, un poisson? Peut-être la viande hachée. Les copains, ils voulaient pas qu'on la mange. Mais les chefs, ils nous ont rien donné d'autre tant qu'on ne l'a pas fini. Ah bah dis donc, ça n'a pas l'air de rigoler dans ton camp, hein? Je commence à comprendre pourquoi ça s'appelle les Intrépides. Allez. Très bien. Oh, j'en peux plus, c'est trop dur. Oh, c'est toi qui es trop mou, Cédric. Allez, relève-toi, continue. Oh, en plus, j'ai envie d'aller aux toilettes. C'est pas le moment de faiblir, Cédric. Montre-leur que tu en veux. Allez, encore 20 pompes. T'es un mec ou une gonzesse? Il faut choisir. Ouais, mais dans ces cas-là, je préfère être une gonzesse. Hein. En plus, j'ai trop mal au bide. J'ai la courante. Allez. Tu vois, j'avais raison. C'était pas la peine de s'inquiéter. Ils finissent toujours par retrouver leur chemin. Bonjour, je suis le docteur Sylvestre. Bonjour, Édouard, chef de troupe. Et Paul-Henri, mon adjoint. Bonjour. Bonjour. C'est la DAS qui vous envoie? Non. Je vous offre un café? Volontiers. Bon, allez, tout le monde debout, suivez-moi. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, Romain? C'est pas de ma faute, je vais trop mal au ventre. Moi, je crois que t'as un peu trop tendance à t'écouter. Mais c'est pas grave, tu vas le refaire, ce raid. Pour l'instant, Romain va plutôt faire son raid dans son lit, parce qu'après la nuit qui vient de passer, plus la gastro et la fièvre... Je comprends pas, il allait bien quand il est parti. Et puis pour nous, ce raid est une épreuve physique à forte valeur pédagogique. C'est une manière pour l'enfant de se prouver des choses. Et les obliger à manger de la viande peut-être avariée, ça fait aussi partie du programme pédagogique. Vous savez, la gastro, ça s'attrape aussi en mangeant de la nourriture pas fraîche. S'ils avaient mangé leur viande comme prévu, elle aurait été fraîche. Et il est hors de question de jeter de la nourriture quand des enfants meurent de faim dans le monde. Bon, écoutez, voilà déjà de quoi enrayer la fièvre et stopper la gastro. Merci. J'imagine que Romain n'est pas le seul à être tombé malade. Jusqu'à présent, personne ne s'est plaint. S'il vous plaît, j'ai besoin de médicaments, j'ai mal au ventre. Excusez-moi, c'est la fumée, à chaque fois ça me déclenche une canne. Et vous ne croyez pas qu'en fumant 2 paquets de cigarettes par jour, on s'expose à des cannes de tout? Bah oui, mais malheureusement, c'est plutôt 2 et demi. Et vous fumez, vous aussi? Non, c'est la fumée. Excusez-moi. Vous voulez que j'appelle le 18, Hélène? Y a pas moyen de faire de la bonne cuisine dans un four pareil. Impossible de régler le thermostat. Regardez, des belles quenelles comme ça, à la sauce crevette. Bah justement, ça fait 3 fois que vous me les faites en 4 jours. Alors. Oh, mais ne vous inquiétez pas, hein. J'ai prévu, j'ai de quoi la refaire, vous inquiétez pas. Ah bon? Venez voir. J'ai tout prévu. Ah, si je comprends bien, toutes ces conserves, ça veut dire que la supérette a définitivement fermé. Mais non, je fais un concours. Venez, je vous explique. Plus j'achète de boîtes, plus j'ai de bulletins à remplir. Et plus j'ai de chances de gagner la voiture. Vous voulez changer de voiture? Ah ben oui, parce que votre 4x4, il commence à se faire vieux. Et c'est un peu dur pour mes lombaires. Et puis, je me verrai bien au volant d'un cabriolet. Écoutez, je vous souhaite sincèrement de le gagner le plus rapidement possible, ce concours. Merci, Pierre. Histoire de changer de menu. Bon. Je vous ai préparé une infusion spéciale anti-gastro. On n'aura pas besoin de médicaments? Ma mère me soignait comme ça quand j'étais petit. Et ça marchait bien mieux que tous les remèdes de docteur. Allez! En tête. Archik, archik, archik. Aïe, aïe, aïe. Archik, aïe, archik, archik. Allez, 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 les aigles, c'est à vous. Bon, vous rampez sous les rondins. À chaque fois qu'il y en a un qui passe sans toucher et sans dépasser 10 secondes, ça fait 5 points. Allez, allez, allez. Allez, on se dégonfle ou quoi, les poules mouillées? Allez, Cédric, tu passes en premier. C'est sûr qu'avec lui, on risque pas de gagner. Allez, bouge-toi, Gélatine, tu vas figer sur place, là. Allez, allez. Allez, 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 encore. Allez, allez, Romain, force. Tu vas faire perdre ta patrouille. Je veux bien, mais j'ai mal. Tu dois être fort dans ta tête, Romain. Si t'es fort, tu peux maîtriser ta douleur. Je suis fort, chef, mais j'ai trop mal au ventre, je peux plus. Sincèrement, Romain, tu me déçois. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Louisa, je m'occupe de Monsieur Lécuyer. Je suis un peu angoissée, docteur. Monsieur a une blessure au pied et c'est à cause de moi. C'est profond? Pas trop, mais avec son diabète, on sait... Oui, vous avez raison, on ne sait jamais. Allez-y. Merci, pardon. La plaie n'est pas très jolie. Ça date de quand? Hier, Louisa m'a coupé les ongles hier. Je ne peux pas l'accabler, la pauvre, c'est moi qui ai sursauté. Vous pouvez me parler franchement, docteur. Vous pensez que c'est grave? Je dirais qu'il faut suivre ça de très près. Il y a un risque de gangrène? Un diabète comme le vôtre comporte certains risques, mais malgré tout, on n'en est pas encore là. Et votre polyarthrite? Je prends les anti-inflammatoires. Vous n'avez pas trop d'effets secondaires? Non, pas particulièrement. Le plus gros problème, c'est les doigts. S'ils voulaient bien faire ce que je leur demande... Vous arrivez quand même à peindre? De temps en temps. J'ai renoncé aux miniatures, je travaille plutôt les grands formats. Bien. Ça vous fait pas mal? Non, ça va. Bon, je crois qu'on va être appelé à se revoir souvent. En d'autres circonstances, je dirais que c'est un plaisir. Je voudrais vous demander encore quelque chose. C'est qui ces intrépides qui campent sur votre propriété? Ah, vous les avez rencontrés. C'est un camp de scouts. Avec ça, j'ai pas pu aller les saluer. Vous connaissez leur chef de troupe? Parce qu'il a l'air un petit peu... Je vous arrête, docteur. Édouard, mon fils, est leur chef de troupe. Je suis désolé. Vous ne pouviez pas savoir. C'est lui qui a créé cette troupe. Ça représente sa vie, un idéal. Mais puisque vous les connaissez, je pourrais peut-être vous demander une petite faveur. Je vous en prie. Vous pourriez remettre mon coffret de ciseaux à bois aux intrépides. C'est pour finir leurs installations. Vous n'êtes pas obligé de les remettre à Édouard. Ah, mais au contraire, ça sera une occasion de mieux faire connaissance. Très bien. Ensuite... Allez, Romain. Oh là là. Allez. Il va peut-être falloir lui dire à celui-là que c'est une propriété privée. Ouais, tu as raison. Bon, on va faire une pause. On continuera plus tard. Vous pouvez aller dans vos coins patrouilles et continuer les installations. Pourquoi on arrête, monsieur? C'est encore à nous. Boris, on discute pas les ordres. Allez, rompez. Allez. Prends bien tes médicaments. Ouais, je les prends. Tu n'aurais pas eu une angine récemment? Bah, si, mais c'était avant notre camp. Et elle était déjà finie. Vous avez son carnet de santé? Désolé, je l'ai pas. Vous savez que c'est une obligation. En tant que responsable de camp, vous devez l'avoir. Romain, tu peux retourner jouer avec tes camarades? Oui, je sais, je l'ai demandé. Les parents ont oublié de me le donner, ils doivent l'envoyer. Qu'est-ce que vous craignez pour Romain? La gastro qui ne passe pas, plus les ganglions, c'est pas normal. S'il a une forme de mononucléose infectieuse, il faut lui faire une prise de sang. Vous voulez que je vous envoie quelqu'un? Non, vous dérangez pas, on va se débrouiller. Ça veut dire que Romain va pas faire un grand jeu avec nous? Ça dépend, c'est quoi ce grand jeu? C'est un grand jeu qu'on fait pour terminer le camp, c'est un peu une récompense. De toute façon, si je le fais pas, moi je le fais pas. Écoute, hein. Cédric, d'abord on parle pas la bouche pleine, et ensuite je t'ai déjà dit, on mange pas en dehors des repas. C'est déjà suffisamment gros comme ça. C'est bizarre ce camp côté nutrition. Soit on gave les enfants au risque d'une indigestion ou d'une gastro, soit on les empêche de manger. Passez, madame, je vous en prie, j'en ai pour un petit moment. Merci. Je viens retirer un colis, je suis pas pressée. Et puis on prendra bien le temps de mourir. Hein. Oh. Oh, ça va pas? Non, madame Dupérois. Excusez-moi, ça va pas bien. Oh. Là, ça va mieux? Non, je vais mourir. Mon cœur s'est emballé et je me suis sentie partir. Vous faites une crise de tachycardie. C'est grave? Faut surveiller ça sérieusement. Vous pouvez passer demain à mon cabinet? Je n'ai pas vraiment le temps de tomber malade en ce moment. Je préfère être sûr qu'il n'y ait pas de complications cardiaques. J'ai pas beaucoup le choix. Ah si, 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 l'heure du rendez-vous. Hélène va vous arranger ça? D'abord, Romain ne s'est pas perdu, et puis il va mieux. Pourquoi le docteur m'a dit ça? Écoute, ce gosse faisait un raid tout ce qu'il y a d'ordinaire, il l'a pas fini, c'est tout. Mais je voulais juste savoir ce qui s'était passé. Je m'inquiétais pour toi. Très heureux que tu t'intéresses enfin à moi maintenant. Même si c'est sous forme d'interrogatoire. Excuse-moi, Édouard. Je pense que quand on est resté 4 ans sans se voir, on ne devrait pas raviver les vieilles querelles. Tu veux un verre de Porto? C'est un très vieux vintage. Oh non, merci. Je croyais qu'avec ton diabète, c'était interdit. Avec toi, le régime, c'est toujours pour les autres. Autrement, les enfants n'ont pas eu trop froid au camp. Alors dis-moi, ils s'amusent bien? Est-ce qu'on est vraiment sur cette terre pour s'amuser? Pour moi, le bonheur est ailleurs. Tu n'as pas changé, Édouard. Mais je suis content de te revoir. Bon, cette épreuve compte double. Alors je vous explique le principe. Ça vient tout droit des Templiers. C'était l'épreuve de vérité avant d'aller combattre les infidèles. C'est très simple. Il suffit juste de marcher pieds nus sur la braise. Chef, on n'attend pas que ça soit moins brûlant? Non, c'est une question de cran. Si on passe vite, alors on ne craint rien. Et si on hésite, si on a la trouille, alors là, ça fait mal. Je vous montre. Senti, c'est quand même mieux que les jeux vidéo, non? Attendez, moi je suis pas un Power Ranger, hein. Je suis pas un héros, moi. Cédric, t'as gagné le droit de commencer. Allez, on va tester ton agilité. Ça va. Allez. Ça brûle un peu quand même. Bravo Cédric, ça fait 20 points. Romain, à toi. Mononucléose, pauvre bonhomme, si loin de sa maman. Ça, on peut pas dire que ses chefs vont le materner. Eux, c'est plutôt du genre marche ou crève. J'aimerais pas être à la place de ces gosses. Pourtant, je vous imagine bien culotte courte, à côté du feu de camp, en train de souffler sur les braises. Mais je vous vois pas en train de vous laisser faire. À leur âge, j'aurais sans doute fait comme eux. C'est très gentil de nous avoir offert ces griottes, vous ne trouvez pas? Si, Madame Dupérois a une excellente idée. Ça fait plaisir de vous voir comme ça. J'ai l'impression que vous les aimez bien. Oui, j'aime bien Madame Dupérois. Non, je voulais parler des griottes, Hélène. Oh, excusez-moi, j'ai un peu la tête qui tourne. Mais c'est vrai que cette femme est touchante. Elle a dû avoir un passé douloureux. Mais je vais m'occuper d'elle et de ses petits complexes dès demain matin. Très bien, ben moi ce soir je m'occupe de vous. Hein? Allez, je vous resserre encore un petit verre là. Vous êtes sûr que c'est raisonnable? Oh oui. Oh bien après tout, cette légère griserie n'est pas désagréable. Tiens, ah, ça fait hyper mal, c'est trop dur. J'ai enlevé des trucs pour te soigner là. Aïe! Ouais, avec la margarine, c'est mieux. Dis donc, c'est brûlé grave. Ah, j'en ai marre de ce camp là. Boris, il arrête pas de m'embêter parce que je suis gros. Ouais, faut que tu sois fort, c'est que si t'es fort, ils pourront rire contre toi. Ouais, mais quand ils me traitent de gélatine, c'est archi dur. Tu sais, ils t'oublieront. Ouais, mais attends, je suis pas l'homme invisible, hein. Ils voient que moi dans le camp. À propos, ça va mieux ta fièvre? Pas trop, non, j'ai mal dans le cou là. Ah ouais, fais voir. Oh là là, mais t'as des super bosses. Mais t'es enflé. Mais pourquoi t'as pas demandé des médicaments au docteur? Parce que, tu sais, Édouard, il dit que je l'écoute trop, alors. Bonjour, Pierre. Ah, bonjour, Hélène. Je vous ai préparé un café bien fort. Ça va vous remettre les neurones en place. Ne plaisantez pas, ça fait vraiment très mal. J'ai l'impression d'avoir la famille Pivert dans la tête. En tout cas, je ne savais pas que vous aimiez autant les griottes. Je saurais quoi vous offrir maintenant pour votre anniversaire. Un cerisier? Ne bougez surtout pas, sinon la famille Pivert va se réveiller. Depuis mon malaise, ça me quitte plus. Et avant, vous avez déjà eu des crises de tachycardie? Non, non, mais j'ai déjà ressenti cette espèce de nervosité, là. C'est peut-être parce que j'ai beaucoup grossi. Non, vous n'êtes pas forte. Faut pas exagérer. Vous êtes sûre que vous ne suivez pas un régime? Ah non, 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 j'en ai fait il y a longtemps, mais j'ai arrêté. Des diurétiques? Oui. Et vous n'en prenez plus, là? J'ai pas vu Hélène à l'accueil, elle est pas malade au moins? Non, 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 Hélène va bien, elle a juste fait une petite insomnie. En revanche, ce qui me préoccupe, c'est votre santé. Mais j'ai confiance, docteur. Vous allez me soigner? Vous savez, pour faire une bonne consultation, il faut être deux. J'ai l'impression que vous ne voulez pas tout me dire, je me trompe? Je comprends pas. Bon. Si vous êtes d'accord, je vais vous faire faire une série d'examens. Je dois vous faire un compliment, Louisa. Vous préparez les couleurs aussi bien que vous faites la cuisine. Merci beaucoup, monsieur, mais je fais pas le plus difficile. L'artiste, c'est vous. Artiste. Artiste. N'exagérons rien. Si vous voulez le fond de ma pensée, l'artiste a plutôt son avenir derrière lui. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Monsieur, ce serait pour savoir si on peut pas prendre un peu de bois de votre grange. Oui, parce que notre bois, il est tout mouillé, on n'arrive pas à faire du feu avec. Je veux bien, mais c'est bien trop lourd pour vous. Bonjour, Édouard. Je vous ai déjà dit que le bois, ça se ramassait dans la forêt. Bonjour, Édouard. Alors, tu ne les lâches pas, tes intrépides. Bonjour, père. Effectivement, je ne les lâche plus. Je voudrais pas m'entendre reprocher une fois de plus que je les laisse se perdre dans la nature. Cédric, qu'est-ce que tu as au pied? J'ai mal, je me suis brûlé. Attends, fais voir. Mais comment tu t'es fait ça? À l'épreuve du feu. Bon, Cédric, Romain, vous pouvez retourner au camp. Je crois qu'on fera mieux d'appeler le docteur, je vais m'en occuper. Au con, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, on m'a morflé grave, hein. Tu ne crois pas qu'on peut éduquer les gosses en étant un peu moins rigoriste? C'est bien que se priver de confort, ça n'est pas vraiment dans l'air du temps. Mais pour moi et ma troupe, j'ai choisi autre chose que le cocooning et la vie facile. C'est une question d'éthique. Ces enfants sont jeunes. Ils auront bien le temps de s'apercevoir que la vie n'est pas facile. Écoute, c'est moi le seul responsable de ces enfants. Et j'entends bien les éduquer selon mes principes pédagogiques. Tu trouves qu'il s'occupe bien de toi, ce docteur Sylvestre? Il est très bien. Pourquoi? Non, je sais pas. Dans le genre obsédé du diagnostic, il est pas mal. Mais je suis pas sûr que ça suffise pour faire un bon docteur. L'infusion de Badiane, ça n'a pas l'air hyper efficace. Hein. La prochaine fois, je dirai à Madame Dupérois de remplacer l'alcool par de la grenadine. Ne vous méprenez pas, Pierre. Je n'ai pas bu d'alcool. J'ai mangé que des griottes. Bon, je file chez les Intrépides. Il y a encore un enfant qui a fait les siennes. Et puis après, je passerai chez Monsieur Lécuyer. Eh bien, dis donc, tu as bien travaillé, toi. C'est une brûlure au 2e degré. Comment tu t'es fait ça? En allumant le feu de camp. Je savais pas qu'on pouvait allumer un feu de camp avec les pieds. Cédric s'est approché trop près du feu, il jouait pieds nus avec un intrépide. C'est une explication un peu fumeuse. Très très drôle. Et moi je pense que devant chaque problème, il est important de positiver. Et cette brûlure est une occasion pour Cédric de se forger le caractère. Ah, forger, c'est le mot, oui. Enfin, on va quand même pas lui marquer au fer rouge le logo des Intrépides sous la plante des pieds, tout ça pour en faire un homme. Voilà. Avec ça, ça va déjà te soulager. Hein? Tu gardes bien ton pied à l'air libre. J'aimerais bien voir Romain aussi. Vous avez ses résultats? Non, pas encore. Pour Romain, je suis désolé, il est parti avec un intrépide ramasser quelques pissenlits. Comme ça, je suis sûr qu'ils prendront pas de risque avec la nourriture. Je croyais vous avoir dit repos complet pour Romain. Bonjour. Bonjour. Alors, comment va Monsieur Lécuyer aujourd'hui? Je n'arrive pas à savoir. Il dit toujours que ça va bien, mais j'en suis pas sûre. Par contre, je sais qu'il est content de vous voir, il vous aime bien. Je peux pas en dire autant de son fils. Vous connaissez Édouard depuis longtemps? Non. D'ailleurs, il m'évite. Et je pense que je ne suis pas prête de le revoir. Ah bon, pourquoi? Je suis allée porter des couvertures au camp, je croyais bien faire. Édouard m'a virée quand il m'a vue. Il ne veut pas d'éléments féminins auprès de ces jeunes. Ouais, c'est vrai que c'est pas un adepte des quotas féminins. Ni même de la mixité, d'ailleurs. Ça ne vous fait pas mal quand j'appuie, là? Non. Ça empire? Non, mais je préférais que ça aille mieux. Je vais vous faire votre pansement. Et la brûlure du petit Cédric, c'est pas trop grave? La brûlure, non. Écoutez, excusez-moi de vous parler franchement. Mais j'ai l'impression que votre fils a une conception de l'éducation un peu inquiétante. C'est trop dur pour ces gosses, moralement et physiquement. Je viens d'avoir une conversation avec lui. Vous voulez un calisson, docteur? Non, je ne prends jamais de sucreries. J'augmenterai ma dose d'insuline. Vous jouez avec votre diabète? J'en conviens, mais c'est un choix. L'ascétisme, très peu pour moi. Docteur, je vais vous dire pour mon fils. Édouard et moi, nous avons vécu un vrai drame. Sa mère est morte avec son frère dans un accident de voiture quand il avait 14 ans. Édouard était très lié à sa mère. Il a perdu pied quelque temps. C'était très dur. J'ai tout fait pour l'aider, mais je sentais que je n'y arrivais pas. Édouard s'est relevé en se forgeant un caractère d'acier. Mais je suis certain qu'il n'est pas comme ça au fond de lui-même. Je ne sais pas. Je suis désolé de vous rappeler ces moments douloureux. Je repasse vous voir demain. Volontiers. Je croyais que tu étais parti ramasser des pissenlits. Se reposer, ça veut dire aussi ne rien porter. Allez, donne-moi ce jerrycan. Mais après les chefs, ils vont croire que je veux pas faire les corvées. Bah, on va aller leur expliquer ça. J'ai dû oublier de leur donner la notice. Mais pour Édouard, je suis pas courageux si je fais pas les corvées. Ne crains rien. Allez, montez tous les deux. Ça continue, je vais pouvoir vous engager dans ma troupe. Gardez votre humour pour vous, pour les veillées du soir autour d'un feu de camp. Sur quel ton il faut que je m'exprime pour que Romain se repose? Vous croyez qu'il peut rester allongé toute la journée sous la tente? Vous m'avez assuré qu'il était parti chercher des pissenlits. Et je le retrouve en train de porter des jerrycans de 20 kilos. Vous allez peut-être me dire que c'est pour arroser les pissenlits? Allez, viens Romain, je vais t'examiner. Approche-toi. Tu as toujours de la fièvre, hein? Lève la tête. Lève les bras, s'il te plaît. Les ganglions ont grossi. Vous avez les médicaments de Romain? Je voudrais vérifier si j'ai pas fait une erreur de dosage. Je les ai pas. La pharmacie était fermée quand je suis allé au village. C'est pas la porte à côté, on n'a pas eu le temps d'y retourner. Et les examens, ils n'ont pas été faits non plus? J'ai soigné Romain, je lui ai fait des infusions. Bon, ça va comme ça. Je dois vous parler seul à seul. Je reviens. Si Romain a bien une mononucléose infectieuse, comme je le pense, il doit arrêter toute activité qui demande des efforts. La moindre fatigue peut entraîner un accident. Je comprends pas. J'ai connu des gamins qui avaient une mono, c'était pas si grave que ça. Ah, mais si vous vous intéressez tant que ça à la médecine, je vous propose de vous inscrire à la fac. Et quand vous aurez réussi vos examens, on en reparlera. Ah non, je voulais juste te dire que... Bon, d'accord, j'ai eu tort. Je vais faire faire les examens de Romain. Je préfère qu'une infirmière vienne les faire. Hein. Je vais m'en occuper. Merci. C'est Léonard Giraud. C'est moi. Eh ben, t'as bien fait de venir. Tiens. C'est des drapes que j'avais demandé. Ah, il est mortel, celui-là. Eh ben, puisqu'il est mortel, on va faire comme s'il n'existait plus. Confisqué. Attendez, c'est ma mère qui me l'a donné pour que je l'écoute le soir. Mais le soir, on dort, Léonard. On n'écoute pas de la musique de barbares. Mais ce sont eux, les barbares. Je me répète, mais il faut faire quelque chose. Je vous trouve vraiment une petite mine. Ben, moi pas. J'ai pris 2 kilos. Je vais devenir énorme. Qu'est-ce que vous racontez? Si c'est ça, l'obésité, je connais beaucoup de gens qui voudraient être comme vous. Je suis sincère. J'ai le moral en berne aujourd'hui. Un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir, quand on en parle, ça fait souvent du bien. C'est gentil. Mais... ça fait 3 ans aujourd'hui que mon mari est mort. Ça s'est passé sous mes yeux au bord de la Loire. Il a eu un malaise en se baignant, il a perdu connaissance. Et il n'y avait personne pour nous aider. Je vous comprends, Madame Dupérois. Perdre un être cher de cette façon... Si j'avais su quoi faire, j'aurais peut-être pu le sauver. Et ça, j'ai vraiment du mal à me le pardonner. C'est pas de votre faute, faut pas culpabiliser. Malheureusement, les gestes de premier secours, peu de gens les connaissent. Vous venez de me donner une idée. Personnellement, je pense qu'il faut les lâcher dans la nature sans filet. S'ils sentent qu'on est derrière eux, toujours prêts à intervenir, maîtrisons jamais leur trouille. Tout à fait. Mais pour l'instant, Romain n'entre pas dans ce cas de figure. Tout simplement, il n'est pas dans son assiette. Non, il vaut mieux annuler son raid. C'est gênant pour sa patrouille. Déjà qu'avec Cédric, ils ne sont pas aidés. Si Romain ne fait pas ce raid, il va leur faire perdre des points. C'est l'épreuve de la bravoure. Bon, je te propose autre chose. On attend les résultats des analyses, et si jamais... Est-ce que tu te crois docteur, toi, maintenant ? Le docteur s'est planté, les analyses ne vont rien donner. En fait, je crois que Romain a été un peu affaibli par cette gastro qui a traîné. Et avec les médicaments que j'ai ramenés, ça va aller. Bon. Alors c'est quoi la décision? Il est temps pour Romain de prouver à tous sa témérité et sa bravoure. Sans ses qualités, il n'y a pas d'intrépide. Tu l'as réveillé cette nuit à 4 h. D'accord. Pas en avance. Hein. Alors, je t'ai mis ta lampe de poche, ta boussole et une gourde avec de l'eau. Je me sens pas très bien. Pourtant, t'as pris tes médicaments? Oui. Bon, mais t'es pas bien réveillé. Ça va aller mieux quand tu vas marcher. Alors, d'abord, tu suis presque toujours cette direction avec ta boussole. Et là, tu trouveras la première partie du trésor. C'est une pièce de monnaie des Templiers. Après 5 km, là, tu trouveras la deuxième, et à l'arrivée, la troisième. C'est moi qui les ai cachés. Il faut que tu ramènes les 3 pour gagner 100 points. Ça fait combien de kilomètres? Comme l'autre jour, 12. Allez, va vite t'habiller. Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Je vais y arriver. Édouard sera fier de moi. On se le payait. Allez, hop là. Aïe. Non, pas ça, Pierre. C'est de la naphtaline pour les mythes. La maison en est remplie. Tenez. Oui, je vois que vous avez balisé le terrain. Cela dit, si c'est bon pour dégager les mythes, ça l'est aussi pour les bronches. Et puis ça réveille. Vous, vous avez vraiment une tête à avoir fait des cauchemars. C'est vrai. J'ai rêvé que j'avais 11 ans et que je me retrouvais dans un camp de vacances avec des chefs un peu bizarres. Ils m'avaient attaché à un arbre. Et ensuite, avec des flèches, ils s'amusaient à rejouer l'histoire de Guillaume Tell. On dirait un rêve prémonitoire. Non, je crois pas, non. En tout cas, j'ai le net pressentiment que les chefs des Intrépides sont vraiment bord cadre. Vous croyez que Monsieur Lécuyer accepterait chez lui des gens bord cadre, comme vous dites? Apparemment, oui. C'est bien ce qui m'étonne. Qu'est-ce que tu fais là, mon bonhomme? T'es tout seul? Ouais. Ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce que t'as? Non, non, ça va, j'ai rien. Tu veux pas que je t'emmène chez le docteur? Oh non, faites surtout pas ça, madame, non. Non, je vous en supplie, non. Puis de toute façon, ça va, je me sens bien. Je peux pas te laisser là tout seul. Allez, viens, je vais te ramener au camp. Merde, j'en étais sûr, il a une mononucléose. Hélène, je file chez les Intrépides. Ici, c'est pas loin. Comme ça, personne saura que je t'ai ramené en voiture. Merci, madame, sinon j'aurais trouvé la honte. En fait, c'est quoi ton nom de famille? Sénéchal, Romain Sénéchal. Ah, attends, fais voir. Ça me que j'ai une pour toi. Voilà. Merci. Tiens, c'est une lettre de mes parents. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas écrit. Allez, vas-y, file. Je vais attendre 10 minutes avant d'aller au camp. Merci, madame. Il en manque une, Romain? Je l'ai pas trouvé. Ça, c'est parce que t'es pas allé jusqu'au bout? J'avais mal à la tête, je me suis perdue. Quand on sait servir d'une boussole, on ne se perd pas. Ça fait 100 points de moins pour ta patrouille. Je me sens vraiment pas bien, chef. Romain, on reconnaît un vrai arbre à ses fruits. Et un intrépide aux épreuves qu'il surmonte. Allez, va te reposer sous la tente. Voilà le courrier. Merci. Madame! Madame! Est-ce que vous pouvez mettre ma lettre dans la boîte, s'il vous plaît? Mais d'accord. Bonjour. Je préfère lire le courrier que les enfants envoient, pour pas qu'ils affolent leurs parents avec pas grand-chose. Mais je peux attendre, vous pouvez la lire. Non, mais je vous l'amènerai demain, il n'y a pas le feu. Alors... Chère maman, au camp, c'est pas marrant. Même si j'ai un bon copain Romain, Cédric, c'est le seul qui ne m'appelle pas Gélatine. Gélatine, il n'y a qu'un N, Cédric. Alors, comment ça va aujourd'hui, Madame Dupérois? Oh, merci, moi ça va bien, mais je viens de ramener un gosse qui s'était perdu dans la forêt. Vous savez son nom? Oui, Romain Sénéchal. Merci, bonne journée. On paye! Distribution des vivres pour faire la cuisine dans 10 minutes! Je ne savais pas qu'on utilisait encore ce genre de rituel, ça vient tout droit des Templiers. C'est une manière d'apporter des repères à ses enfants. De leur donner un idéal. Bien, l'idéal pour moi, ça serait que vous arrêtiez de me prendre pour un imbécile. Voilà. Je suis là pour soigner, pas pour écouter vos réflexions philosophico-métaphysiques. Bon, on va s'occuper de Romain. On va le soigner. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris? C'est quoi le but de ce raid exactement? La mortification, c'est ça? Mais c'est quasi obsessionnel chez vous. Je reconnais que j'ai sous-estimé l'état de Romain. J'ai cru bien faire maintenant ce raid. C'est dans son intérêt. Dans son intérêt? Je me sens beaucoup de points communs avec lui. Quand j'avais son âge, mon père n'a jamais voulu que je fasse mon raid. J'étais soi-disant trop fragile. J'étais humilié. C'est ce que j'ai voulu épargner à Romain. Le meilleur moyen de lui épargner cette humiliation, c'était encore de ne pas l'envoyer dans cet état. Vous croyez que je m'acharne sur Romain, vous vous trompez. Je veux juste qu'il apprenne à maîtriser sa peur. Faut le protéger. Ah mais je suis entièrement d'accord avec vous, on va le protéger. Il va rentrer chez ses parents pour se soigner. Décidément, nous ne sommes pas faits pour nous comprendre. Je vous le confirme. Bien, je dois voir Romain en tête-à-tête. On va le chercher. J'ai pas envie de partir, docteur. J'ai pas envie de quitter mes copains. Romain, ici, on te fait faire des choses que tu n'es pas en état de faire. C'est parce que je suis le plus petit, alors Édouard, il veut que je réussisse. C'est pour mon bien. Puis à part le raid, le reste, c'est tranquille. Non, pas avec une mononucléose. Mais qu'est-ce que je ferais quand je serais chez moi? Tu te reposerais, tu te soignerais. Mais ça, je peux le faire ici. Normalement, oui. Mais si j'accepte, moi, dans 10 minutes, tu vas aller tenter l'aventure comme un vrai Templier. Je vais m'ennuyer chez moi. Et si je vous jure sur la tête de ma mère que je vais pas bouger, que je vais rester tranquille et que je vais prendre mes médicaments. Bon, ben, je vais réfléchir. De toute façon, faut que tes parents soient d'accord. Ouais, et puis comme ça, vous pourrez continuer à me soigner. Dis-moi, Cédric, ton copain, là, ça va mieux, son pied? Ouais, ça va mieux, son pied. Il a presque plus mal. Allez, file, va. Merci, docteur. Oh, tu veux pas me montrer ton couteau suisse? Il a l'air génial. Il y a la loupe pour allumer le feu? Bien sûr, Banane, c'est le plus gros. Tu me le prêtes 2 secondes, s'il te plaît? Pas question. Je le prête pas à la patrouille des loups. Et la loupe, c'est pour allumer le feu pendant le grand jeu. J'ai eu peur, hein. Ma mère voulait pas que je reste au camp. Heureusement, mon père a bien voulu, alors ils ont dit au médecin que je pouvais rester. De toute façon, je me serais sauvée hein, si tu m'avais laissé tout seul ici. Eh, t'as promis de rien faire. Hein. Fini les corvées. Les patates, c'est plus pour toi. Allez, s'il te plaît, pendant 2 secondes. Je te le rends tout de suite. Je veux juste te voir un truc. Je t'ai dit non. Je croyais qu'un intrépide, c'était jamais égoïste. Toi, gélatine, tu te la fermes. Tu l'appelles pas gélatine, ok? Cédric, il a raison. T'es pas sympa comme mec, toi. De toute façon, je m'en fous de ton couteau suisse. Laisse tomber, j'en trouve un mec. Laissez tomber, c'est un gros égoïste. Tiens, gélatine, pour la peine, tu seras corvée de patates. Cours de secourisme. Bah, c'est une très bonne idée, ça. Je la dois à Madame Dupérois. J'espère que vous viendrez. Oh, vous pouvez compter sur moi, je serai pas en retard. Mais je comprends pas. Il n'y a plus rien sur mon compte. Je pense que vous avez lu la somme en euros. En fait, il vous reste 4500 francs. Oh, merci bien. Ça va mieux. C'est compliqué, tout ça. Vous voyez, docteur, je commence à bouger un peu. Désolé, mais c'est encore un peu tôt. Ah, pourtant, j'avais bien envie d'aller me dégourdir les jambes du côté des Intrépides. Même avec ses calmes. Tout se passe bien avec Édouard. Mais oui, c'était l'occasion d'aller lui rendre visite. Je suis un petit peu embarrassé. Je vous avais promis de ne pas vous reparler de ça, mais... Est-ce que je peux vous poser une dernière question au sujet de votre fils? Oui, bien sûr. Vous savez s'il a bien eu une autorisation officielle pour installer ce camp chez vous? Mais oui, je l'ai vu. Tout ce qu'il y a de plus officiel. Elle a été délivrée par la direction du ministère de la Jeunesse et des Sports. Pourquoi voudriez-vous que mon fils ne fasse pas les choses dans les règles? J'ai l'impression qu'entre vos règles et celles de votre fils, il y a un léger fossé. Excusez-moi, monsieur. Vous n'avez plus de quenelle parce que j'aurais besoin d'une 15aine de boîtes. Donc... Vous n'avez pas de chance, une dame est passée hier, elle a dévalisé le rayon. Elle a raflé pratiquement 35 boîtes. Mince. Désolé. Tant pis. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Alors... T'aurais pas les poches un peu lourdes par hasard? Non, pourquoi? À cause du couteau suisse que tu m'as piqué. J'ai rien pris. Allez, on va gagner du temps. Sors le couteau de ta poche et pose-le sur le comptoir, s'il te plaît. C'est pas de ma faute, c'est pas juste. Boris, il en a un et pas nous. À la patrouille des loups, personne n'en a. C'était pour allumer le feu avec la loupe pendant le grand jeu. Ça suffit, Léonard. D'habitude, on arrive à les maîtriser. Je vous remercie, monsieur. Je vous promets que je vais m'occuper de son cas. Les aigles attirent. D'aile. Les léopards sont les plus rapides. Loup toujours fort. Habituellement, quand on se réunit ici, c'est pour remettre des récompenses ou des décorations. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. L'un d'entre vous a trompé notre confiance. L'un d'entre vous a trahi. L'un d'entre vous va être puni. Léonard, avance de 2 pas. Un voleur, c'est pas digne de porter l'insigne des Intrépides. Que ça serve d'exemple à tout le monde. Encore une connerie comme ça, et tu seras privé de grand jeu. Rompez! Vous êtes sûr que vous avez besoin de ce tableau? Ben, ça m'arrangerait bien de l'avoir pour mon cours. Hein? Bon. Allez, vous inquiétez pas, je vais trouver une autre solution. Oui, je suis désolé, mais je suis pas un champion d'escalade. Vous avez remarqué, à chaque fois que je vais en vacances, je vais à la mer, mais pas à la montagne. Oui. Bon, je vais prendre l'air. Je vous rappelle le but du grand jeu qui clôturera notre camp. Il s'agira d'aller chercher le Graal au mépris des dangers. Et en traversant des contrées hostiles. Chef, c'est quoi le Graal? Ce mot a connu plusieurs significations. Pour nous, les Intrépides, on retiendra qu'il s'agit d'un objet magique, au pouvoir mystérieux, et qui rend tout puissant celui qui le trouve. Le Graal, comme pour les Templiers, symbolise notre idéal. Et il nous faut l'atteindre, même si le chemin est périlleux. Pour cette épreuve, il ne suffit pas d'être fort. Il faut aussi être agile. Cette épreuve s'appelle le pont de singe et elle peut rapporter 80 points. Au cours du grand jeu, vous traversez d'autres épreuves où vous devrez montrer votre ténacité et votre témérité. Allez, alors Boris, on hésite? Non, j'hésite pas. Tu vas voir, je vais faire ça les doigts dans le nez. Allez Boris, vas-y! Allez Boris! Avance Boris! Ça va? Ça va, j'ai pas mal. Ouais, mais ça fait 20 points de moins pour vous, hein. D'après vous, lequel de ces auteurs est né collectionner les plats et les assiettes en porcelaine? Balzac, Chateaubriand ou Victor Hugo? Je dirais Balzac. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Attention, je vous rappelle que c'est pour gagner mon cabriolet. Non, j'ai dit ça au hasard, Hélène. Ah, je vois que je vous embête. Je vais me débrouiller toute seule. Oh, par contre, cette question-là, vous allez pouvoir m'aider, elle est dans vos cordes. Alors, qu'est-ce qu'une fritillère? Petit A, une spécialité culinaire. Petit B, une plante liliacée. Petit C, une araignée d'Amérique latine. Petit B, sans hésiter, une plante liliacée. Oh, alors là, vous êtes fort. Oh. Oh, j'ai encore une question pour vous. Bon, ça va, j'ai compris. Je veux bien vous aider, mais à une condition, si jamais vous gagnez la voiture, vous me la laissez conduire aussi. Mais bien sûr. Alors voilà, Quelle est la femme au tempérament volontaire qui a lutté pour la cause des femmes en 1900 et... Vous, Hélène Danton. Oh. Vous vous moquez de moi? Non, pas du tout. Romain, comme tu n'as plus le droit de faire d'exercice, à toi l'honneur de lever les couleurs. Paré pour les couleurs? Paré. Envoyez. Bougez pas, chacun reste à sa place. Romain. Tu m'entends? Réponds-moi. Tu as mal? Hier matin, j'avais demandé qu'on stabilise le mât parce qu'il était mal fixé. Ça n'a pas été fait, pourquoi? J'attends une réponse, qui devait le faire? C'est nous, chef. Mais je comprends pas, on l'a fait hier. En tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que ça n'a pas tenu. Et quand les drapeaux tombent au sol, c'est grave. Ces drapeaux symbolisent notre idéal et tu acceptes que ton idéal traîne dans la boue? Non, mais je... Nous sommes bien d'accord. Je suis pas responsable, chef. Je vous jure qu'on l'a fait. On s'occupera de ça plus tard. Ça va aller, je crois que j'ai rien. Toi, t'as la tête dure, hein? C'est pas le pied, c'est les mains. Oh! Et vous faites une poussée inflammatoire due à la polyarthrite. Oh, je dérouille en ce moment. Je vais vous augmenter la dose des anti-inflammatoires. Avec ça, je ne respecte pas beaucoup la règle du jeu. C'est à cause de vieux problèmes qui reviennent à la surface. Ça se passe là-dedans. Je peux voir votre carnet avec vos prises d'insuline? Ah. Votre diabète est vraiment déréglé. Bon, je vous propose de passer quelques jours à l'hôpital. Comme ça, on pourra le stabiliser et, si besoin, vous poser une pompe à insuline. Mais je ne le souhaite pas, docteur. Pas en ce moment, j'en ai pas le courage. Je me sens déjà assez handicapé avec cette polyarthrite. Je vous comprends. Enfin, réfléchissez. Ça peut quand même vous aider. Veuillez entrer. Bonjour. C'est Édouard qui m'envoie pour vous rapporter les ciseaux à bois. Et excusez-moi pour le retard. Je te remercie de me les ramener. C'est mon père qui me les avait offerts quand j'avais son âge. Pose-les. Tu veux un calisson? Oui. Merci. Alors, comment ça va au camp? Ça va bien. Ma patrouille est en tête, donc... Mais... Bah, y a un problème? Je devrais pas vous le dire. C'est Romain. Il a surplus, il fait plus rien. Il s'est même mis à vomir. Mais il ne se repose pas? Si, mais vous savez pas de quoi ça peut venir. Bon, je vais aller voir ça tout de suite. Je te ramène au camp? Non, c'est bon. Ils vont me massacrer. Ils vont croire que je vous ai parlé et tout ça. Je préfère rentrer tout seul. Bon, comme tu voudras. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de la nuit dernière, il y avait beaucoup de vent. Ah. Vous n'avez pas entendu? Non. Pourtant, j'ai le sommeil plutôt fragile en ce moment. Enfin, peut-être que le camp est situé dans un microclimat. Il n'y a pas eu de blessés? Non, heureusement, tout le monde dormait. Bon, j'ai bien ausculté Romain, ça n'est pas lié à la mononucléose. Les vomissements, c'est peut-être les restes de la gastro? Non, impossible. D'autant que vous avez fini par les lui donner, ces médicaments. Romain doit aller à l'hôpital. Je dois lui faire un examen approfondi. Il n'en est pas question. Vous ne pouvez pas vous y opposer, vous le savez très bien. Pour l'hôpital, vous avez besoin de mon autorisation. C'est à moi que Romain a été confié par ses parents, pas à vous. Après eux, c'est moi le premier responsable. À votre place, je ne le prendrai pas comme ça. C'est ma décision. Très bien. Je vais téléphoner aux parents de Romain. Il ira à l'hôpital. Non, je vous assure, monsieur Sénéchal, votre fils Romain doit passer cet examen à l'hôpital. Mais je sais bien que son chef n'est pas de cet avis. Bon, excusez-moi, vous en avez parlé avec votre femme? Je reviens. Le père de Romain est aussi allumé qu'Édouard Lécuyer. Je ne comprends pas qu'il ne vous fasse pas confiance. Il trouve que je dramatise inutilement la situation. Il connaît son fils mieux que moi. Je suis sûr que Romain a quelque chose de plus grave que la mononucléose. Et les vomissements, ça ne les inquiète pas? Pour son père, Romain a toujours été un enfant fragile. Dès qu'il mange quelque chose qui ne lui réussit pas, il vomit. S'il est si fragile, pourquoi l'ont-ils mis dans ce camp? Ah mais justement, parce que Romain a trop tendance à s'écouter. Cette éducation lui fait du bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, demain, on va téléphoner à la direction départementale de la jeunesse et des sports. Comme ça, on verra bien s'ils ont délivré une autorisation pour les Intrépides. Docteur! Ah merde, j'ai oublié celui-là. Bonjour, Madame Dupérois. Bonjour, Hélène. J'ai une petite surprise pour vous. Je sais ce que c'est. Oh, je crois bien que j'ai gagné. Mais qu'est-ce que vous avez gagné? Eh bien, on va découvrir ça toutes les deux. Ah oui, avec plaisir. À la semaine prochaine, Monsieur Montigny. Au revoir, docteur. Bonjour, Madame Dupérois. Bonjour, docteur. Vous êtes en avance pour la consultation? Non, non, je viens d'abord au cours d'Hélène. Oh, Hélène, vous avez gagné? Oh, mais ne faites pas cette tête, allons. C'est très tendance, cette couleur. Dans la vie, il y a de tout. Il y a ceux qui mangent le gâteau, et moi, j'ai que la cerise. Eh ben, c'est un début. Et puis, ça vous permettra de calculer la consommation. Quelle consommation? La consommation d'essence du cabriolet quand vous l'aurez gagné. C'est une petite calculette, mais elle compte quand même en euros. Et si on l'offre à Madame Sauvaise? Elle qui sait compter qu'en ancien franc, ça lui sera utile. Eh? Bon, allez, on va être en retard au cours. Allez, dépêchons-nous, dépêchons-nous. Pour le massage cardiaque, vous posez votre paume vers le bas du sternum et vous placez l'autre main par-dessus. Vous pesez alors tout votre poids sur vos deux mains. Et vous exercez cette pression 60 à 70 fois par minute. C'est clair? Merci, Madame Dupérois. Vous pouvez regagner votre place. Si j'avais su que c'était aussi simple... Ce petit évanouissement que vous avez eu chez vous est dû à des problèmes cardiaques. Ça s'est aggravé. Je vais être franc avec vous, oui. Écoutez, je pense que vous prenez des médicaments pour maigrir et que vous ne voulez pas me le dire. Des extraits thyroïdiens, par exemple. C'est vrai, je vous ai menti, docteur. J'ai retrouvé ces médicaments dans ma pharmacie et puis je les ai pris. Et vous n'auriez pas augmenté les doses par hasard? Ne cherchez pas, vos troubles cardiaques viennent de là. Vous auriez dû m'en parler. Bon, on va s'occuper de ça. Qu'est-ce que vous voulez, Madame Danton? J'ai tout gâché dans ma vie. Quand je me regarde dans la glace, je me supporte plus. Vous allez commencer par m'appeler Hélène. Vous savez, une coiffure différente, des vêtements un peu plus dans le cou. Ça peut arranger beaucoup de choses, vous ne croyez pas? Oui, je sais. Avant, j'étais plutôt du genre céréales chopeuse. J'étais folle de fringues. Rien n'était trop beau pour plaire à mon mari. Mais maintenant qu'il est mort, j'ai beaucoup grossi et puis plus rien ne me va. Faut pas laisser tomber. La première chose à faire, c'est de se plaire à soi-même. Ouais. Excusez-moi, je finis de passer une commande. C'est le fax de la direction départementale. Et alors? Alors, ils n'ont jamais eu l'autorisation de faire ce camp. C'est pas vrai? Si. Vous me décalez mes rendez-vous, je file chez les Intrépides. Vous n'avez même pas de diplôme pour encadrer ce camp. C'est une question de jour. J'ai manqué une des épreuves, mais je vais la repasser. C'est ça, vous allez peut-être me dire que vous avez les autorisations. Vous voulez les voir? Non, parce qu'elles sont fausses. Je vous jure que je vais m'occuper de ça. Mais pour l'instant, l'urgence, c'est Romain. Je dois l'emmener à l'hôpital. J'ai peur de vous décevoir, Romain n'est pas là. Vous pouvez répéter. Romain n'est plus là. Ses parents ont décidé de venir le chercher. Ça calmera les esprits. Si vous vous prétendez soigner les âmes, moi je suis là pour soigner les corps. Romain est en danger, il doit être suivi médicalement. Justement, les parents de Romain ont suivi vos conseils. Votre coup de fil a été très utile. Et ils ont décidé de le faire soigner, mais chez eux. Par un médecin de leur choix. N'avez pas confiance en un médecin remplaçant. Je suis peut-être un médecin remplaçant, mais je peux vous garantir que Boris ne s'est pas fait ça en tombant de son lit. Vous croyez qu'un pont de singe, c'est un exercice pour des enfants? C'est curieux, depuis que vous venez ici, effectivement, les problèmes semblent s'acharner sur ce camp. C'est pas ça qu'on appelle le mauvais œil? Ne vous inquiétez pas, le mauvais œil, vous n'allez pas l'avoir longtemps. Je vais faire fermer ce camp. Vous êtes bien chez François, Sylvain et Romain Sénéchal. Nous sommes absents, mais veuillez nous laisser vos coordonnées. C'est Madame Dupérois. J'ai une petite surprise pour vous. Madame Sauvez? Oh mon Dieu, Madame Sauvez, qu'est-ce qui vous arrive? Répondez-moi. Répondez-moi. Elle n'est pas morte. Faut que j'arrive. J'arrive. Il faut que j'arrive. Allô? Oui, continuez, Madame Dupérois, j'arrive tout de suite. C'est bon, je reviens à elle. L'ambulance ne va pas tarder. Elle n'est pas morte? Vous croyez que j'ai réussi? Oui, vous l'avez réanimée. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait. Je m'en suis tellement voulu de ne pas avoir pu sauver mon mari. Je vous remercie, docteur. C'est pas moi qu'il faut remercier, c'est vous. C'est vous qui l'avez sauvée. Excusez-moi, je suis tellement émue. C'est évident qu'il faut avancer le grand jeu. Là où on va, on n'est pas près de nous retrouver. C'est trop risqué. On replie le matos et on revient quand on a les autorisations. Sylvestre, il ne nous lâchera pas. On ne peut pas priver les enfants de ce grand jeu sous prétexte qu'un docteur azimuté fait ses diagnostics dans sa boule de cristal. Si on renonce, c'est le travail pédagogique d'une année qu'on fout en l'air. Oui, mais si les officiels nous tombent sur le dos, on va morfler. En plus, la grotte, elle est dangereuse. J'ai entendu dire qu'elle était fermée. T'as peur ? Finalement, tu te laisses facilement intimider. C'est ce que ce docteur a voulu faire et je constate que ça marche. Mais en tout cas, il est hors de question d'emmener Romain. Lui-même, il en a plus envie. Eh ben, on va demander à l'intéressé ce qu'il en pense. Je suis sûr que Romain veut pas manquer son grand jeu. Alors, Romain, il paraît que tu veux plus être templier? Mais si je veux être templier, je me sens tout bizarre, c'est tout. Au fait, j'ai réfléchi, je suis d'accord pour me faire poser cette pompe à insuline. Bien. Je vais vous prendre rendez-vous à l'hôpital. Je pensais que ça vous ferait plaisir. Vous avez l'air soucieux. Oui. En fait, je suis venu pour votre fils. Je croyais qu'on n'en parlait plus. Écoutez, Édouard n'a reçu aucun agrément pour faire ce camp et diriger cette troupe. Il vous a menti. Quoi? Édouard m'aurait montré de fausses autorisations? Non, je ne vous crois pas. possible. Je suis désolé, j'ai pas pu faire autrement. Je vous en prie. Je voudrais rester seul, docteur. Bien. Je vous appelle en fin de journée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, appelez-moi. Vous n'avez toujours pas pu joindre les parents de Romain? Ah, on va insister encore. Je vous remercie, Hélène. Je sais qui a saboté le mât. Mais je veux que le coupable se dénonce de lui-même. Le coupable ne veut pas se dénoncer? Léonard, je sais que c'est toi. Tu seras privé de grand jeu et renvoyé de la troupe. Chez nous, il n'y a pas de place pour les lâcher, les voleurs. Allez, montre à tes petits camarades. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a quelque chose de grave? Je veux te voir à la maison, seul à seul. Je te conseille de ne pas me faire attendre. Madame Sauvaise est hors de danger, et je dois dire que pour quelqu'un de son âge, elle a une constitution remarquable. Oui, enfin je suis embêté, parce qu'elle ne présentait aucun symptôme qui pouvait laisser croire à une telle crise. Bah, écoutez, vous auriez pu lui faire tous les examens possibles et inimaginables, vous auriez rien pu déceler, et par définition, un accident, c'est un accident, donc pas prévisible. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ça m'embête de vous laisser seul. Vous êtes sûr que vous n'aurez pas besoin de moi? Ça va aller, Louisa, ne vous inquiétez pas. Mais pour une fois, je peux manquer mon coup. Non, 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 non. Vos examens sont dans un mois. Je ne veux pas que vous manquiez vos cours de puériculture à cause de moi. Mais si je suis ces cours, c'est grâce à vous. J'aurais jamais pu me les offrir. Justement, rentabilisons cet investissement. Pensez à l'avenir, Louisa. Vous n'allez quand même pas vous occuper d'un handicapé comme moi toute votre vie. Bah, allez, filez. Je vous remercie, monsieur. Mais au nom de quoi? De quel idéal peut-on devenir un usurpateur pareil et trahir la confiance de son père? Le premier qui a trahi, c'est toi. Quand maman est morte, j'avais besoin d'un père qui me redonne confiance, qui me dirige dans la vie, qui soit fort. Tout ce que j'ai trouvé, c'est un fantôme qui n'avait d'avis sur rien, qui me laissait faire ce que je voulais. Mais c'est faux, mon petit. Je voulais seulement que tu apprennes à penser par toi-même, que tu n'acceptes pas les idées toutes faites, les idées en quitte. C'est justement ce que je te reproche. 14 ans, c'est l'âge où on doit inculquer des principes. Heureusement que j'ai rencontré des gens qui avaient des vraies valeurs, qui m'ont donné des repères, un idéal. Ce que tu appelles des repères, c'est humilier les enfants. C'est refuser de les soigner sous prétexte de leur forger le caractère. C'est les endoctriner. Les repères, c'est mentir à son père. Moi, ce que je sais, c'est que ces enfants sont heureux de ne pas vivre dans le laxisme et qu'ils sont fiers de ce qu'ils font et de leur chef. Jamais j'ai eu quelqu'un à admirer. Et surtout pas toi. Tu... le... faire... te dénoncer. Sans ça... fermer le camp. Fermer ton camp. Cette troupe, je l'ai créée tout seul. Avec ma sueur et mon sang. C'est mon œuvre. Je finirai ce camp. Et je te conseille pas d'avertir qui que ce soit. Bon, ah. Tu vois où ça te mène? Même pas avoir la volonté de suivre ton traitement. Vous avez encore une visite à faire? Pourtant, je n'ai plus de rendez-vous de marqué dans mon carnet. Oui, je vais chez Monsieur Lécuyer. J'avais convenu de l'appeler, mais je comprends pas. Il n'est pas là. Louisa non plus? Non, c'est bien ce qui m'inquiète. J'aurais pas dû le laisser tout seul. Il a fait une crise d'hypoglycémie qu'il n'a pas vu venir. Ça arrive quand le diabète est déréglé. Il voulait pas que je reste, j'aurais pas dû l'écouter. C'est pas de votre faute, Louisa. J'ai croisé son fils en arrivant. Oui, il devait se voir, ouais. On va vous garder quelques jours à l'hôpital et en profiter pour régler votre diabète. Ça va aller mieux. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous êtes arrivé au bon moment. Si j'étais arrivé avant, ça aurait pu aller encore mieux. Les crises d'hypoglycémie surviennent aussi en cas de forte contrariété. Cette contrariété-là, j'aurais pu vous l'éviter. Je ne vois franchement pas de quoi vous voulez parler. Une scène douloureuse avec votre fils, par exemple. Je ne souhaite plus parler d'Édouard. Je suis obligé d'insister. Votre fils vous a laissé seul avec votre malaise. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Excusez-moi, Édouard n'a rien à voir avec ce malaise. Il n'est pas venu à la maison ce soir. Oui, je vous ai laissé plusieurs messages, Madame Sénéchal. Non, non, je voulais juste vérifier que vous aviez bien récupéré votre fils. Quoi? Romain n'est pas avec vous? Merci. Ah, Hélène, rassurez-vous, un inspecteur de la direction départementale va venir fermer leur camp. Moi, je vais chercher Romain. Je veux parler au docteur Sylvestre. Mais entre, mon grand. Le docteur est là. Qu'est-ce qui t'arrive, Léonard? Je me suis sauvée du camp. J'ai pas osé vous le dire la dernière fois, parce que j'avais eu peur d'Édouard. Mais c'est moi qui ai enlevé les pierres du mât. Je voulais que ce soit les chefs qui se le prennent sur la tronche. À la place, ça a été Romain. Quoi, c'est Romain qui l'a pris sur la tête? J'aurais pas dû faire ça. Maintenant, il voit des trucs bizarres, il a mal et tout ça. J'espère que c'est pas un hématome extradural, sinon il pourrait mourir d'un instant à l'autre. Je vous confie Léonard. Mmh. Tu restes avec Hélène? Allez, viens. Voilà, on touche au but. Je suis fier de vous. C'est dans cette grotte qu'est caché le Graal. On l'appelle la grotte du diable. Les galeries s'étendent sur des kilomètres et forment un labyrinthe. Il y a des gens qui n'en sont jamais ressortis. Vous avez intérêt à savoir lire vos cartes. Mais comme vous êtes les plus forts, je suis sûr que vous trouverez la sortie. Bon, on va commencer notre progression tous ensemble. Possible, pourtant je me suis pas trompé. Merde, ça passe pas. Romain, bouge tes paupières si tu m'entends, Romain. Chef, venez vite. Il faut faire quelque chose pour mon copain. Vite, 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 il va mourir. Romain? Bon, il a raison, on peut pas le laisser comme ça. Hein. Peut-être que Romain a tout simplement la trouille. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce gosse? Un faible? Un lâche qui ramera toute sa vie? Tu vois, j'avais raison. Il revient à lui. Fallait juste trouver les mots qui stimulent. Qu'est-ce qui te prend? Tu vois pas que ce gosse n'en peut plus? Même si tu crois qu'il te ressemble, Romain n'est pas un héros. Et encore moins un robot. Je te laisse là, moi je le ramène se faire soigner. Montre pas ta peur aux intrépides, Paul-Henri. Je te le redirai plus. On discute pas mes ordres. Même pas toi. Bien, on se ressaisit. Maintenant, vous êtes tout seul. Chaque patrouille a un itinéraire différent marqué sur sa carte. Si vous arrivez à atteindre le Graal sans vous perdre, vous ne connaîtrez plus jamais la peur. Je crois que c'est par là. Non, on est déjà passé par là. Oh, merde. Boris! Attendez-nous! Boris! On va jamais nous retrouver. Vous m'entendez? Répondez! Ils sont complètement larges. J'ai trop mal, je peux plus bouger ma jambe. Au secours, au secours! Tu veux pas que j'aille chercher les autres? Non, reste là, Romain, faut pas se séparer. Vous êtes là? Répondez! Par ici, vite! J'arrive! Les bruits viennent par là. J'espère qu'ils ne sont pas pris les pierres. Je suis venu ici plein de fois quand j'ai des gosses, il s'est jamais rien passé. Vite, Cédric s'est fait mal, il peut plus bouger sa jambe. Ouais. Écoute, Romain, allonge-toi, hein. Repose-toi, surtout tu ne fais aucun effort, d'accord? Ne t'inquiète pas, je m'occupe de Cédric. Ah, j'ai mal! Qu'est-ce qui se passe? Non, surtout ne touchez pas à Romain. Aidez-moi plutôt à sortir Cédric de là, il a une double fracture de la jambe. Je voudrais pas que vous... Non, ça suffit. C'est pas quand vous aurez envoyé tous ces enfants à la mort qu'ils pourront se surpasser. Allez, 1, 2, 3... Voilà. Et Romain, qu'est-ce qu'il a? Je pense qu'il a un hématome au cerveau. Et si c'est ça, il risque sa vie à cause de vous. C'est pour ça qu'il faut lui faire un examen d'urgence. Destin a décidé de frapper à la porte aujourd'hui. C'est une épreuve qu'il nous faut accepter. Arrêtez avec vos théories spiritualo-médiévales fumeuses. Pour l'instant, il faut faire vite. C'est pas le destin qui va le sauver. Alors aidez-moi à sortir ces enfants d'ici parce que je peux pas y arriver tout seul. Aïe. On va fabriquer des brancards. Essayez de trouver de quoi faire une attelle. Ça passe toujours pas. Essayez encore. T'inquiète pas, mon grand, ça va aller. Ah. Allô? Allô, le SMUR? Bon, je file à l'hôpital et je viens faire ma déposition après. Je vous garantis que vous n'aurez plus jamais l'occasion de vous occuper d'enfants. Tout ce que j'ai fait, c'est pour leur bien. Ah oui. Eh bien, pour le bien de votre père, ça serait une bonne idée de lui téléphoner. Il en a besoin. Rassurez-vous, Madame Sénéchal. Romain va s'en sortir. L'hématome a été évacué et surtout le cerveau n'a pas été atteint. Oh, je vous remercie, docteur. Je m'en veux. Si vous saviez comme je m'en veux. Je me suis laissée aveugler par Édouard Lécuyer. Je ne comprends pas, il avait l'air si droit. Tu n'as pas à culpabiliser. Nous avons voulu donner à Romain une éducation rigoureuse, un idéal à suivre. C'est pour mieux le préparer à affronter la vie. Mais pourquoi ces chefs ont-ils trahi cet idéal? Pourquoi ont-ils tout sali? En tout cas, j'espère qu'Édouard Lécuyer n'aura plus l'occasion de sévir. Personnellement, je ne condamne pas Édouard Lécuyer. Si ces épreuves nous sont envoyées par le destin, c'est pour que nous en ressortions plus forts. Je respecte votre douleur, mais je pense que ces épreuves ne sont envoyées ni par le destin, ni par le hasard, mais bien plutôt par la bêtise humaine. Bon, je vais faire un break, hein. Ça fait 3 fois que je recommence. J'aurai jamais assez de papier, moi. Allez, donnez, c'est une affaire de spécialiste. Sinon, vous n'arriverez jamais à l'heure. Dis donc, moi, je suis bien attaché. C'est pour pas que tu te sauves, parce qu'ils savent que t'es un intrépide, et un intrépide, ça arrête pas de bouger. Toi non plus, avec ton plat, tu peux pas beaucoup courir. Bah ouais, mais avant non plus, hein. Avec mon poids. Arrête avec ton poids. Non, mais c'est vrai, t'as vu, je suis pas agile, je suis tombée dans un trou. Mais c'est parce que t'as voulu m'aider. Pourtant, tout le monde dit que je suis un dégonflé. Non, tu n'es pas un dégonflé, Cédric. Romain a raison. Alors voilà, ça, c'est pas aussi spectaculaire que le grand jeu, mais je pense que ça vous aidera à jouer au chevalier. Oh, il est mortel! Ah, excellent! Je voulais vous remercier de ce que vous avez fait pour Cédric. J'ai juste fait mon métier. Ah, je voulais vous dire, je ne voudrais pas que vous pensiez que j'étais au courant de ce qui se passait dans cette troupe. Quand j'ai inscrit mon fils, ils m'ont vraiment fait croire qu'ils étaient scouts. Oui, je sais. Malheureusement, n'importe qui peut utiliser le mot scout et créer son propre groupe. Mais vous savez, il y a d'autres parents qui ont été trompés comme vous. Et je m'occupe toute seule de Cédric. Et je pensais que ça allait l'aider à perdre ses complexes. Et puis son copain, Romain, m'en disait tellement de bien. Quand je pense que c'est moi qui l'ai envoyé chez ces malades. Ouais. Cache bien leur jeu. Bon. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour Cédric? Pour son poids? Mais bien sûr. Je vais vous donner les coordonnées d'un spécialiste. Vous savez, docteur, il suit son régime à la lettre. Merci. J'étais tellement heureux de retrouver mon fils après toutes ces années de brouille. Je comprends pas comment il a pu changer à ce point. Mais là où je m'en veux, c'est de ne pas avoir compris que cette troupe n'avait rien à voir avec les scouts. Vous ne pouviez pas vous déplacer facilement, Édouard en a profité pour vous cacher la réalité. Non, non, je n'ai aucune excuse. Je me suis occupé d'une troupe de scouts autrefois. Je vous assure que ça n'avait rien à voir avec cette troupe bidon. Les enfants étaient épanouis et libres. C'est ma conception de l'éducation. Pour mon fils, c'est du laxisme. Ça, c'est vrai que lui a plutôt tendance à aimer la manière forte. Il a tort, bien sûr. Mais malheureusement, je suis passé à côté de son problème. En tout cas, je vous remercie sincèrement de m'avoir ouvert les yeux. Même si la lumière est un peu violente. Pierre, vous n'avez rien oublié? Non, non, je pense pas. Tout est là. Bon, je vais chercher la voiture chez le garagiste. Ah, on a de la visite. Oh, c'est Madame Dupérois. Oh. Vous êtes éblouissante. Oh, merci. Mais c'est vraiment grâce à vous deux. Vous m'avez redonné confiance en moi. Bravo pour cette tenue parce qu'elle est vraiment superbe. Je vais vous faire une confidence, c'est pas moi qui l'ai choisie. Il y a un mystérieux expéditeur qui me l'a fait parvenir à la poste. Ah ben, ce mystérieux expéditeur a un goût très sûr. Bon, je vous laisse. Oh, vous êtes magnifique. Oh, merci. Oh, vous nous la jouez conseil en relooking maintenant? Elle est superbe, votre robe, hein. On dirait un petit peu celle de Madame Dupérois, non? Ben oui, c'est moi qui l'ai commandée sur le Minitel. Ah oui, ben vous avez dû faire une commande groupée. Eh ben, le modèle me plaisait. Alors, j'ai commandé les 4 de couleurs identiques. Tenez, oulala. Mais dites-moi, où est-ce qu'on va mettre tout ça? Je vois que le virus du concours vous a pas vraiment quitté, hein. Vous êtes sûr que vous voulez pas ouvrir une épicerie? Comme ça, vous aurez les bulletins à portée de main. Ne vous méprenez pas, Pierre. J'ai laissé tomber des concours. Je suis trop mauvaise perdante et je gagne pas assez souvent. Ah, en tout cas, vous avez bien fait de ne pas gagner le cabriolet. Hein. Où est-ce qu'on aurait mis tout ça? Et vous avez eu une très bonne idée. Je vais donner tout ce qui reste à une épicerie sociale. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez?